Gros déblosay éclaté dans commune Cité Soleil, mes chers amis. Nèg ti Gabriel yo envahi nèg Genève yo. En pile soldat tombé dans tous les décans yo, gen soldat même kangrené fait poudre. M'bral bo tout détail. Yon l'autre bo, la police maré on monsieur marié qui touye madame ni après 3 mois yo fin marié. Monsieur touye femme lan et puis li prend la poudre. Descampette après divers tentative que la police fait pour arrêter monsieur Léo dit maintenant tel coin qu'il y est suite avec avis de recherche finalement la police prend tout aussi là pas gain droit jamais faire ça encore quant à pour gang tigé mouche ça li en bacote gain pile monde qui porter plainte pour gang tigé la police met mission côté pour machine pas frapper si on est coué commissaire Miscadin qui te prend tigé ça en vérité nous t'a conjugué dans le passé comment nous y est moi souhaiter que nous en forme moi souhaiter que n'a kembe mais attendez bien mes chers amis bon déblosay qui éclaté là dans la commune Cité Soleil, son bagay en vérité, maman petite obligé Marie vente. Après fait, tout le monde pense bagay la pralenti Jean mieux pour yo, tandis que nek ti Gabriel yo te gen tan gen plan yo, pour yo te capable envahi nek Genève yo. Nan moment nek yo ap fete, nek yo rembrenn, parce que jusqu'à présent la gen bel ti fete nan Cité Soleil, oui. Bandi yo poko fin fete, non bandi yo gen kop gra nan men yo, est-ce que vous comprenez? Eh bien, nèg ti Gabriel qui t'a préparé un coup pour nèg yo, yo rele kou sa koutouye, nèg ti Gabriel yo envahi nèg Genève yo. C'est-à-dire GPEP envahi Genève, ou pas mande m koze. Gen an pile soldat tombe dans tous les décans yo. Mais nous connaît nèg Genève yo gen technique, yo gen tactique, yo gen stratégie et moun k'ap jere Genève là, c'est un ancien policier qui passe en dans école nationale de police, gen quelques petits bagages qu'il connaît très bien en question bataille. En pile soldat tombé dans Kanti Gabriel. Selon détail que me gagne, selon image qui vient de moi, gen 3 soldats tombé dans Kanti Gabriel, moi gen 2 soldats qui tombé dans camp nèg Genève yo. Mais nèg Genève yo qui touye 3 soldats ça au bout Ti Gabriel, yo dit kanta pour cadavre si là, yo Ti Gabriel pa jwenn cadavre si là seulement s'il t'a besoin sang nan pour ta fon remède. C'est-à-dire nèg yo prend cadavre mes chers amis, yo boule yo jusqu'à ce que cadavre la fait sang. Chabounette, mes chers amis. Même seul bagay qui m'a capable de dire, suite avec bataille ça qui redéclenche pour yon inième fois, comprenez bien, tellement nèg yo pété bataille en dans Cité Soleil, tandis que vous avez mis tête ensemble, ben quittez m'dou mes chers amis, gen en pile moun qui continue à regarder si vous êtes capable de ranger koyo, déserter zone nan, à chercher ka on famille pour y aller prendre déception, ka on zami pour yon ba ou faire la descente parce que yon pas ta remè gon bal perdi qui arrive rentre en dans trio, ben gay sevel. Baga la compliqué. Même ça m'a dit nous, Raïchi en dit dans le blanc, mouche Chris là, li propose li se paste, li poule choisi faire la paix ensemble avec nèg village de Dieu Grand Avignon. Pour moi même la paix a son bon bagay parce que coup de balle suspend chanté, c'est non en pile moun sa ki ou din, mais ça pas empêcher tout nèg hostile continue à faire mauvais actes, faire kidnapping sou même k'ap passé ki gen wan ki sont simple citoyen, mais balle li font camper mes chers amis. Est-ce que vous comprenez? Si nèg et Genève yo t'es rentré dans même logique avec GPEP, en vérité, il t'a pris un bon bagage. Ça fait venir avec petit point ça, c'est pour me dire nous. Nan regardé Chris là, qui est Chris là? Chris là son pilier en dedans, alors capable même le pionnier en dedans estricti Genève. L'on prend mouché ti la pli iso qui est ce que nèg yo nan GPEP. Si on al ou bien on pionnier Genève joine accès pour le faire la paix ensemble avec ti messieurs GPEP qui nan matissant. M'pense nèg yo même côté en don gros cité qui c'est Cité Soleil, yo gen tout bagay nan men yo, tout condition réuni pour ta font table ronde, pour yo chita avec quelques notable dans zone, chita avec quelques grandons pour regarder pour définir comment on capable faire la paix et m'pense la vie est capable reprendre au niveau des communes Cité Soleil. Mais ça m'a dit à la mes chers amis, bon bagay l'esprit frappé sous lui. Pas oublier Ariel Henry te fait qu'on est année si là son année électorale. En pile nèg qui nan question politique, là au besoin faire campagne, au besoin accaparer on secteur en dedans Cité Soleil, on quartier en dedans Cité Soleil, soit qu'a fait là la faut qu'il fait. Parce que grand pin nèg a commencé campagne depuis les Ariel fin averti 2023 ça son année électorale, gien pile nèg mes chers amis qui commencé à faire campagne.
dans toute la coin nèg a fait non bon dit me la moi Jean-Charles même li gonge la fait campagne ba li a dit tout nèg ouais c'est misek devant bon m'pa konnen en pile bon m'pa pa e ba la mien mes chers amis ça m'a dit nous là li important gen pile nèg qui utilise outil ça gangsterisation pour faire moun crier gen pile nèg qui utilise le comprendre pour mettre de danger en pile chrétien vivant pour faire en pile de blousay jusqu'à ce que yo même pour capable arriver gen contrôle zone. En tout cas France LB, malgré tout défaut que vous estimez que vous gagnez, dégagez au courant, M. Jean-Jacques Pouet, si capable de gagner en présence policière au niveau des communes Cité Soleil. Nous connaissons la pénétration, elle pas facile. Mais si vous patrouille, des patrouilles, des chablins, des patrouilles, en vérité, vous pensez que vous avez un psychose de peur qui dégage la caillou comme ça, il y a des chrétiens vivants. Vous avez un souffle pour râler pendant le commencement de l'année. Parce que l'année là, il était bien commencé, selon sa météo. En pile, dit t'as marré, mais n'est-ce que les vle chavé la gala même, mouche l'en morceau yukte dans tout, monsieur lui fait une démonstration, nous te le prend la rue. Pas la compliqué, net, mes chers amis, n'est-ce que taliban parle, ou même celle, ça m'a capable de dire, c'est celle, mon Dieu, qu'on est, nan qui est pas ce que pays, ça lui même dit, pralé de jour en jour, pendant année si là. D'ailleurs, la compliqué. L'autre détail, l'autre information qui t'aime dit nous, y'a un monsieur marié. On est qui t'a dit, oui, pasteur, m'son, je l'aime t'a marié moi-même. Comprenez? Tout le monde était content, tout le monde était invité, il était content de venir dans la cérémonie nuptiale ça parce que c'était belle bagaille, belle déclaration d'amour. Il pas de camper sous fake non, c'était bon bagaille qui t'a dit. Assurément, jeune gens ça c'est comme ça tout, il t'a bien déposé pour madame Li. Et bien est-ce qu'on est après 3 mois que monsieur fin gagné à vivre ensemble avec femme là en Donkay, monsieur trouvé femme là? Ah oui, monsieur porté non, Ronelson Saint-Louis. Monsieur touyé madame Li mes chers amis. Et gagné, nous capable di bureau des affaires criminels qui t'a marché chercher monsieur Koué chien fou qui sont entité dans DCPJ, yo t'a chercher monsieur Elfin fait zak là, ben toi la police a pral arrêter le si j'en veux sur passé là en dedans clair. C'est là qu'on t'a pral prendre monsieur. Et individu ça mes chers amis, yo prend c'est après un mandat que t'a met derrière le commissaire gouvernement Saint-Marc là, Moïse Deristin t'a met derrière monsieur depuis 21 mars 2022. Tendez bien oui, peut-être il a assassiné madame ni Richard Martel et Mac, c'est non femme non ça. Après tout a fin commettre zak là, li prend et alors il prend la fuite, c'est-à-dire là dans marron, dans optique pour être capable de laguer char, laguer pied en République Dominicaine pour t'al serrer. Mais on est comme ça. Ou fin marié avec madame ou, invité moun vinn wè scandale, bagaille sérieux qu'on saute fait, nous en l'église quelconque, puis après 3 mois pour gen kè, ou touye femme ça, ou gen pour wè. Avant, vous êtes marié, vous n'avez pas 5 ans ensemble. Vous n'avez pas 2 ans ensemble. Mais 3 mois de mariage. Au moment de mariage, vous avez bien consommé. Parce que, femme avez un genre, vous avez un genre, vous avez un genre de temps en temps. Vous avez un genre, vous avez un genre de vie. Vous comprenez bien, mes chers amis. Haïti, pour vous montrer, c'était un moment côté. Vous êtes supposé abjouir des activités, des initiatives, des cérémonies nuptiales, ça qu'on s'est fait. Et mais c'est tout, les femmes là pour une raison, pour l'autre. Et après ça, vous sentez qu'il faut assez. Pour le tal dans maronnage. Dieu merci, la police a arrêté monsieur au niveau de Clercine. Yo prend monsieur et pour moment m'a parlé avec nous là, monsieur en dedans DCPJ, la répondre quelques bonnes questions qui nécessaire et y a satire normalement pour faire sentir si piment, li pas doux, nanger pour là, li pas ka doux, nanger joie et one joie. Ça est important. Et l'autre détail encore mes chers amis, faut me dire nous, gion gang, on bandi dernier état. Monsieur, yo si nommé TG. Mais bon nom c'est Patrick Petit Homme. Alias TG. Il a 28 ans. C'est Patrick qui nous connaît. Ça va une pistache à nous que la police était au niveau de Delma 83. Si moi pas fait un défaut, c'est pas lui. Mais monsieur lui-même son petit moun qui fait crête briller. Monsieur dans section communale Mibale, c'est là monsieur t'a grandi. Et bien faut me dire la police dans Mibale maré monsieur. Si j'en veux que ce passé là pour implication en tant que en paquet d'actes en coup braquage qu'il a fait sous national numéro 3. C'est pas des moun qui pas porter plainte pour sans vergogne là. C'est pas des moun qui pas porter plainte on prend pour malfrain ding ti déjouer si là en mode bicha. Et bien finalement la police prend monsieur et pour moment parle avec nous là Patrick Petit Homme li placé dans garde à vue.
En attendant suite judiciaire nécessaire yo yo entamé même si a prend bon sensation là comprend yo dit c'est pas des caresses comprend c'est pas des comprend yo gonge main tête monsieur bon j'ai pas bon gonge y a doloté GA là son bagage qui vraiment extraordinaire même si nous elle neuf dans photo rapport qui pour c'est pas des politiques là comme ça on est là on fin prendre des viens faut faire photo pour présenter là avec nation faut bailler communiquer faut bailler information hein yo pas présenter photo n'importe façon t'as l'autant des droits des l'homme droit des l'homme droit des l'homme dans dadan. En tout cas mes chers amis bat un petit bravo pour la police qui a fait un bel travail et m'a tout dit ça ici bataille de temps en temps d'excité soleil au cap goumé pété coup balune sous l'autre challenge c'est am tout un tel garder ti avadra et ti chef bagaille ça va mener nous nulle part nous gain pile temps depuis n'a faire c'est vrai c'est une pour mon politique là pour politique capable toujours exister il faut que gagne coup de balle cap pété dans quartier défavorisé dans ghetto yo et le plus souvent yo utiliser nèg exam en tant qu'esclave mais c'est m'a dit ça clairement il faut que bagaille change. Ah oui, il faut que nous changions bagayo sinon pita li capable pitris. Non pam, ou konnen le déjà, c'est une entreprise là qui toujours là pour bon information pour informer et m'a bon détail dans bon gobelet qui la fort bien, qui la fort mal. Qui acheter machine pa yo. Ouais, même quoi tout, les nèg la président Sénat li bon machine en plus. En plus oui, ouais. avec plaque même qui marqué président du Sénat. Président, okay. Donc, est-ce que machine ça c'est pas machine Sénat République là? Parce que machine personnelle là comme sénateur, mais elle vient président du Sénat, il bon machine tout. OK. Okay. Parce que moi ouais, plusieurs petits présidents Sénat passé déjà, donc moi de l'autre machine à côté et qui avec plaque qui marqué le président du Sénat de la République. Donc amis auditeurs, dans moment on a parlé là, monsieur ça nous cité là, Joseph Lambert qui était sénateur Sud-Est, Garcia Delva qui était sénateur Latibonite, Denis Cadeau qui était sénateur département NIP, Patrice Dumont, sénateur, ancien sénateur l'Ouest, Jean-Rigo Bélisère, ancien sénateur Grandas, Winnie Célestin, ancien sénateur Sainte, Wannick Pierre, monsieur Zabari, trois monde qui connaît la veille, non? Ancien sénateur Nodès, Jean-Marie Ralfétière, après le sénateur Zabari, il y a des amis dans le bal, bon journaliste qui est pas mal. Journaliste photographe là. C'est bon bal dans ma chouette. Pierre-François Sildor, allô bel pays, baba. Ancien sénateur Sud, et puis Kedler Augustin, qui c'est ancien sénateur Nord-Ouest. Donc, m'a redit encore, m'a répété encore, dans le moment où on a parlé là, M. Sayo, c'est des simples civils, M. Sayo, c'est des simples citoyens, même gens avec Guerrier, Fat, et puis et Lydie. Quand il y a là, ce qui ça me veut attirer l'attention au matin, comme prévu, comme annoncé, M. Ariel Henry vient dans le moment où on a parlé là, seul maître à bord. Ça n'est pas un bon créole là, celle qu'on chante dans la basse-cour. Nous avons parlé de pouvoir pendant l'année 2022. Hein? Et bien après pratiquement plus de 17 mois à la tête du pays, c'est qu'on y a Ariel Henry qui a pouvoir. Dans la minute, nous avons parlé de la zone auditeur. Pas un magistrat élu en deux pays. Pas un député en deux pays. Pas un sénateur en deux pays. Pas un président en deux pays. Mon seul chef. Rele Ariel Henry. Nous songe le Ariel Henry fait et prend fonction comme premier ministre. Dans micro confrère nous Gary Pierre Paul Charles. Je te réponds aux questions pour le dire, il est tellement de pouvoir, il a déclaré la guerre même s'il l'est. Et bien monsieur Ariel Henry que j'aime bien pouvoir. Et qu'on y a le pouvoir, amis auditeurs. Je dis c'est pas seulement la guerre Ariel Henry a déclaré. Ariel Henry a décidé qu'il est pour mon dormir, qu'il est pour mon lever dans le pays. Ariel Henry a décidé qu'il est pour mon manger, qu'il est pour madame, qu'il est pour madame, qu'il est pour faire exercice, qu'il est pour travailler ou pas dans le pays. C'est pour vous dire à quel niveau que monsieur a le plein pouvoir. Maintenant, il y a plein de monde qui était conscient de ça, il y a plein de monde qui était prévoit la situation, ça, autrement dit, la situation ça était imminente. C'est ça qui fait que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau de la classe politique haïtienne, nous avons des paroles qui ont véhiculé depuis un certain temps. Qui s'allie, c'est comment nous sommes capables de joindre un accord politique, un accord minimal, un consensus minimal, pour au moins nous commencer pour une série de décisions qui permettent que nous mettions le pays sous rail démocratique. Parce que dans le moment où on a parlé là, pas gagné aucune institution démocratique qui a fonctionné dans le pays. Que ce soit le Parlement,
malgré ou dire que Sénat siège en permanence d'aujourd'hui à pas au grand sénateur. Traité 10 sénateurs même là on pas après grand rien, mais au moins yo traité comme élu. Mais jodi a là il va exister encore. Mais pour qui peut être sénateur qui est dans tiers ça cap jour yo pas tué ce voiture là. Yo te touché l'argent yo. Grand pile là pas t'a rien qui est à l'étranger qui touché. Grand pile là qui prend des privilèges. M'baronne est-ce que vous avez touché l'argent poisson, l'argent fait patronal, m'baronne comme pays a bloqué depuis pratiquement dernière année, ça yo, m'bavle vous remonter. Mais pas gagne un nan yo, malgré ou pas étilan, qui te gagne le courage pour te démissionner, pour te dire, ah, nous là, c'est pas rien à régler, bon l'argent, trésor public là, paye nous, là, on a posé tête une question, nous pas à qui fait, ben retirer quoi nous. Pas gagne un qui te retire quoi jusqu'à ce que le mandat finisse dans la condition ça. Et vous sortez très l'aide, madame, monsieur. Kounia! Bon document, n'a yo signé le 21 décembre 2022. C'était la dernière tentative en date pour comment on capable joindre un accord politique minimal. Pour qui ça me toujours, moi-même, je parle de accord politique en pays, ça me parle de minimal. Pour j'en ai une divergence en pays, ça, pour j'en ai un désaccord, pour j'en ai une différence dans l'état actuel. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement difficile, guerrier du seul Pierre-Renel René, pour jouer un accord que tout le monde a dans le vrai. On peut toujours jouer un accord qui est relativement inclusif. On peut toujours jouer un accord qui est significatif, qui est représentatif. Mais la très très difficile, c'est de tenir compte de Jean pays sa configuré politiquement pour jouer un accord que tout le monde a dans. C'est ça que fait moi-même, je parle de l'accord politique, je prends toujours le soin pour mettre un adjectif derrière. Le 21 décembre, M. Ariel Henry, ensemble avec Allié Lio, yote instigateur, on démarche, bien entendu, sous pression internationale là, à travers Madame Hélène Lanim. Gayon chita parler qui fait dans Caribe Convention Center. Il y a plusieurs acteurs qui étaient là, il y a plusieurs personnalités politiques qui étaient là, il y a plusieurs partis politiques qui étaient représentés. Au terme de discussion, yo, monsieur Damio qui était présent dans Caribéa, yo entendu sur un document. Document ça l'hypothèse non compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Le document ça madame monsieur Mevlin clair. Lui prévoit deux structures. Première structure là c'est ça relé HCT. Au conseil de la transition. Deuxième structure là, son organe qui là, il va le considérer comme organe de contrôle de l'action gouvernementale. La première structure là, il prévoit pour les 5 personnalités. Discussion faite jusqu'à ce qu'on vienne entendre nous sur 3 personnalités. Il n'a pas songé. Premier monde qui se représente en direct secteur politique là, c'est ancienne candidate malheureuse aux élections de 2010, Baron Zimdropen, Madame Mirland Hippolyte Maniga. Deuxième monde, c'est Laurent Saint-Cyr, c'est le représentant du secteur privé des affaires. Et puis troisième monde, c'est Pasteur Fleuridor pour la société civile. Et puis deuxième structure, là, dit ça, son organe de contrôle, il a pas le mettre, qui a 21 monde. 21 monde, ça, a gagné organisation politique, qui a représenté, a gagné association socio-professionnelle, qui a représenté, a gagné, ou bien t'es doué gagné, organisation communautaire de base, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Qu'on y a là, nous tout a demandé pour qui ça, nous sommes le 9 janvier 2023, jusqu'à journée aujourd'hui, document ça va arrêter, atterri. Or, il a été prévu que document ça, l'y publié dans la colonne du journal Le Moniteur, journal officiel PIA, et puis il a été installé, monde qui fait partie du Haut Conseil de Transition, semaines à même. D'ailleurs, même des semaines, semaines passées, première semaine du mois de janvier. D'ailleurs, le 1er janvier 2023, Ariel Henry, dans prise de parole, il a annoncé que l'installation membre au conseil là, a fait semaine qui se passe là, qui est la première semaine du mois de janvier. On a la grande question, pour qui ça jusqu'à présent, document ça, il est beaucoup effectif, il est beaucoup réel, il est beaucoup atterri, pour qui ça? Songez bien, madame, monsieur. Les rencontres ça fin fait, les documents ça fin dans la rue, devine là, on était remetté en question des marches là. Ce n'est pas parce que je ne suis pas comme si David
pour gagner un accord entre acteurs. D'ailleurs, c'est vu guerrier du seul, c'est vu un paquet de monde en d'un pays. Il faut que bon côté nous arrivions, nous entendre nous. Pour nous dire que le pays n'a pas qu'à descendre plus bas que ça, on met tête nous ensemble, au moins pour nous commencer à adresser les vrais problèmes et y apporter les vraies solutions. Mais, l'aime garder les gens qui sont derrière des matchs là, l'aime considérer l'accord en septembre là, ensemble avec clause qui était là dans l'occupation, j'aime respecter jusqu'à ce que tout le monde qui était signé à quoi ça a obligé quitter à quoi, graine par graine, et ont accusé Ariel Henry qui n'a pas fait preuve d'aucune volonté pour appliquer sa critique à quoi, on commence à poser des questions. Qui est-ce que là à quoi? Moi, c'est Ariel Henry et ses mêmes amis. Vous comprenez? Moi, c'est M. André Michel et autres. Et c'est même Mounsa Yotou qui a signé accord 21 septembre la veille, 11 septembre, pardon, qui jusqu'à présent, juste écrasé, n'a pas pu être appliqué à 10%. Et même M. André Michel, Zami Noubo ici, te bail Ariel Henry un moratoire de 90 jours, madame, monsieur. Si nous songez bien, quand elle te dit, si Ariel Henry pas mette sécurité dans le pays, si Ariel Henry pas mette campé au conseil électoral provisoire, la quitte à quoi? Et octobre, ou bien fin octobre qui est marqué, fin mois à 3 heures, nous avons cherché Mme Michel Labalène, nous avons recevoir là. Ça le dit. Mais il te dit que bah, y a un cours, blablabla. Jusqu'à ce que l'accord n'ait pas existé encore. Il n'a pas existé parce que nous avons accord qui est en vue. Jusqu'à ce que n'ait pas existé encore. Et donc, que signé encore ça, tout. Pas jamais gagné. Pas jamais gagné un point essentiel vrai qui respecte l'accord. Mm-hmm. Et ça fait me dire qu'on y a qui garantit gagné. Que les mêmes causes, par exemple, produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Il y a des gens qui pensent que nous avons un problème avec des marches pour jouer nos formules. Il y a des gens qui pensent que c'est craché, nous avons craché sur l'initiative. Là. Loin de là. Eh bien, madame, monsieur, je dis à moi, je veux nous connaître à quoi on a un passe. Et je vais dire pour qui ça. Et si vous voulez, les gens qui signent à quoi, ils viennent démentir nous là. Yeah. Majorité parti politique représentatif, je ne pas signer à quoi. Pour qui ça, d'après vous-même. Moi, l'explique où, Lydia Alexandre. Jusqu'à minute n'a parlé là, mais tout le monde a un défi pour un public, liste parti et personnalité politique qui signe à Rosa. Oh. Alors ce que vous annoncez 600, il y a 600 partis. Que vous avez une liste publique. Justement. Pour la République, ouais, qui est, vous comprenez, qui parti, qui secteur, qui structure qui signe à quoi? Est-ce que gagné? On parle de plus de 600 personnalités et partis. Et secteurs de la société civile qui existait vraiment. Vous voyez, donc, que vous mettez un document public, d'ailleurs, où est Graf qui. Graf, ça vous dit Graf? Mm-hmm. Où est Graf à quoi? Qui sortit à? Jusqu'à ce que nous venions l'autre document authentique, par une pièce signature là-dedans. Donc, moi, mettez initiateur un défi pour vous publier, hein, illico, liste de 600 partis. Signature. Oui. Et m'a dit, nous, ça, amis auditeurs, nous sommes capables de noter si nous l'écrivons. D'abord, l'international qui était derrière pour ce processus-là n'est pas satisfait. Et par contre, si nous lisons le tweet Brian Nichols, là, grand officiel américain, le 5 janvier, monsieur a tweet pour le dire comme ça que, il est encouragé par des marches, à quoi ça, patati patata, mais il espère voir un plus large consensus. Soit diplomate qui a parlé, puis la pièce qu'on attend que le diplomate a dit, à quoi ça va bon ou bien à quoi ça va suffisant. Mais nous autres, nous grandissons, nous apprenons à lire entre les lignes. Blandi n'est pas satisfait de la quoi. Il n'a pas rappelé Blandi derrière tentative là. Blandi n'est pas satisfait. Autrement dit, Blandi à quoi insuffisant. C'est pas pour sa raison. Vendredi passé, où est Hélène Lalim à rencontrer Mme Hippolyte Maniga. Parce que Mme Hélène Lalim a une pression sous dol. Et si à quoi ça n'a pas réussi implémenter Mme Monsieur de PIA, la ligne échouée aux yeux de l'international. Vous devez comprendre ça. Ou pas, ouais, Hélène Lalim presque prend bâton pèlerin, tant que c'est l'icté au pouvoir, tant que c'est l'icté président de transition, tant que c'est lui-même qui chef PIA, et puis qui a marché rencontrer acteur pour convaincre, yo, pour être capable d'entrer. Et qu'il y a des acteurs qui expriment les réserves, yo, Mme Lalim promet des modifications au niveau du document. On a parlé là de chef binuant, représentant. Secrétaire général de la Nations Unies dans le pays d'Haïti. Je suis venu sur le monde qui signe à quoi ça. Madame, monsieur, grand pile monde qui signe à quoi ça, malgré que vous avez rendu au public, ce n'est pas parce que vous avez fait pays vrai. Vous avez signé à quoi, c'est parce que vous avez promesse de job qui fait. Il y a des gens qui n'ont pas signé à quoi tout, madame, monsieur, c'est parce que vous exigez trop et monsieur Ariel Henry a gagné pas sous bail trop. Il y a une structure qui exige pour signer un document ça. Il faut que vous ayez presque 30% de toutes les Américains dans le pays.
des structures qui exigent pour signer un accord ça, faut que bah au ministère en pays. Il faut que bah au plusieurs directions générales. Et Ariel Henry pas trop donnant que ça. Et mon ça au campion il dit pas signer. Et il y a un beau job qui estime il a chauffé de à trop longtemps. Il a résilié, il a fait des promesses et il signe quand même. Et dans les jours à venir, il y a un remaniement ministériel. Et nous voyons un pile monde qui va jouer un job. Et probablement ça pas jouer du tout, il va le sortir dans accord même si ça t'est fait pour accord en septembre là. Parce que il y a un monde qui était venu opposant à accord en septembre là, c'est parce que on t'a exigé un paquet bagaille que on pas joindre. Par exemple, suivez mon regard, il y a un monde qui t'a exigé pour te retirer Jean Baden Dubois dans tête BRH. Il y a un monde qui t'a exigé pour arrêter le gros l'autre bagaille, il va ba il sorti. Mais pour ça tout faut honnête. Il y a deux parties qui pas signé. C'est parce que vous n'avez pas gagné de pays qui a pris. Faut me dire ça tout. Parce que je ne vais pas vous monter pour vous penser tout le monde qui passe dans la même boîte là. Il y a un monde qui passe signer un document. C'est parce que vous demandez, ça vous demandez avoir une garantie qui a baoulé, catégoriquement refusé. Il y a un monde qui passe signer parce que vous dites que vous n'avez pas gagné de pays qui a pris là, madame, monsieur. C'est pas un job qui a pris. Et c'est ça. Généon te fait non rapport. Il te dit, acteur manque sincère, acteur manque honnête. Tout vire tout de ouais, fait à quoi à gauche, à quoi à droite, ça fait job gap réglé. Une a dénoncé à quoi là, elle dit pas inclusif. A fait job gap réglé. Pas de problème que mon partage de responsabilité dans le cadre de la transition. Pas de problème ça, parce que écoute, je vais m'expliquer comment va qui c'est. Je suis en train de faire privé, elle a fait monter dans le deuxième mandat là. Elle m'a dit, au pays, elle a dit non, éducation dans mon, et tel domaine justice dans mon, elle a trié. Mais, faut que nous on est à pays. Nous ne pouvons pas prendre pause, nous avons fait gros gauche dans la radio pour nous dire que nous défendons le pays, nous mettons le pays à devant. Et puis, en réalité, c'est le job dont nous avons besoin de défendre. Et que deux à trois l'entendent. Quel est-ce qui signe à quoi? Qui estime que Jean, il va aller là, il va aller là, il va aller là, il va dormir de lui-même, il faut signer. Adelante. Il va signer. Et qui est-ce qui signe, il va aller là aujourd'hui. Pour finir, amis auditeurs, nous allons aller au conseil de transition. Nous avons dit ça là déjà, il y a des gens qui dépensent et vous avez monté. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus avisés dans le pays à Gabdil. On croit ancien sénateur de l'Ouest là, Sénatus, il expliquait ça. L'homme dit, au conseil de transition, il dit, nous allons mettre là pour créer équilibre dans le pouvoir politique. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, au conseil ça, nous considérons comme on sait le grand conseiller. Les Ariel prennent une décision de pays, il a demandé au conseil. Et eux-mêmes, ils ont proposé, ils ont recommandé. Mais pas grand rien qui va avoir un pouvoir décisionnel vrai. Ou bien force continuelle s'ouvrir si Ariel pas. Agir dans tel sens qui bon, ou bien si Ariel font bêtise pour yon prendre décision contre lui. D'ailleurs, nous croyons dans le même document ça, yon dit ou consacre les organes, ou bien pas organes, non, les pour conseil la fin font proposition, ou bien fin bah, on conseil, ou bien fin font recommandation, faut qu'il y a discuté dans le conseil des ministres. Et c'est le conseil des ministres qui n'a pas prouvé. Donc ça veut dire que ça, n'importe où on tourne, c'est Ariel encore, c'est Ariel toujours. Donc c'est dans ça, madame Hippolyte Manigat va venir tête qui fait, les rencontres de madame Hélène Nalim, elle dit, ils craignent que. Pour au conseil là, par exemple, c'est un organe consultatif de mon cap là, et bien, il y a des conseils, mais en réalité, il n'y a aucune force. Mais vous qui savez, madame, monsieur, au conseil là, jusqu'à présent, ou bien, document toujours dans l'efface. Blanc, pas satisfait. Mon qui n'a au conseil là, notamment Mélanie Polit Maniga, il dit même, il va faire pour Pétrel, Ariel Henry là. Et il y a des gens qui pas signé, madame, monsieur. C'est des gens qui exigent un paquet de bagages et Ariel pas sous un paquet de bagages. Mais pour ça, tout le monde qui pas signe un document, on signe de parti politique, c'est parce que vous avez gagné de pays qui a réglé. Il y a des partis comme Union de Clarence Renoir, il y a des partis anciens députés Jerry Tardieu en avant, il y a même qui croient que des matchs là bon, mais des matchs là manquent inclusifs. Manquent trois monde. Et d'ailleurs, nous, l'article qui était écrit dans le Nouvel Liste semaine passée, nous avons évoqué, nous parlons de 10 partis politiques qui étaient finis en très bonne position dans l'élection 2015-2016, à l'exception de fusion des sociodémocrates, par exemple, qui signent à quoi Famille Lavalas, Petite Dessalines et autres. Mais André Michel dit, adelante, à quoi suffisant que les gens qui veulent jouer nous en aller. Ça ne parle tout. André Michel. Michel Dassel, je vois. Bon, je est-ce que Parlement, pas que le Parlement est joué en force contre Ariel Henry, ou bien que empêché Ariel Henry faire quoi que ce soit? Rien, on va dire. Parce que même que ce soit Parlement existé, tiré là, Ariel était toujours prêt n'importe décision de lui.
D'ailleurs, en janvier, deuxième lundi janvier 2021, c'est ton entente qui était jaune qui fait parlement bataille déjà. Alors, vous me dites, Mounion, selon le document, ça, Ariel Henry doit quitter le pouvoir en février 2024. L'élection a été organisée dans la fin de l'année 2023. Ça, et puis, février, selon le document, vous avez un nouveau président qui est en Andabia. International a dit pas satisfait. André Michel dit lui-même, à quoi suffisant? Vous comprenez? Il y a des partis qui disent qu'ils ne peuvent pas signer parce qu'ils estiment que à quoi manque inclusif. Mais il y a des partis qui ne peuvent pas signer tout parce que ils ne peuvent pas joindre ça au monde parce qu'ils exigent de gros bagailles, de gros morceaux. Vous comprenez? Mais il y a des partis tout qui pas trop représentatif qui ça mais qui est force qui signe et parce que vous mettez au monde émerveillé. Plus ou un accord 21 décembre ça une prolongation de accord 21 septembre. Ariel et ses alliés toujours et encore. Mm-hmm. Est-ce qu'il va y avoir arrivé? On sait pas. Oui, nous pas connaît mais celle ça nous connaît jeudi à ses finissement mandat 10 sénateurs qui était été en fonction au Sénat République là qui a disparu même Jacques en pile l'autre institution démocratique qui pas existé encore sans présence président dans tête pays premier ministre illégitime sans parlement sans collectivité territoriale situation pays à vivre jeudi à c'est un soufflet ton véritable soufflet pour démocratie à qui ça ça veut dire pour jeudi à nous levé sans yon parlement, c'est vrai, nous te gen yon tiré sénat, mais je dis, on n'a pas gen rien du tout. Nous pral parler avec le moine Bono, confrère nous, mais qui c'est un expert dans la question parlementaire. C'est lui qui est avec nous en ligne pour nous garder qui ça vide ça représenter. Le moine Bono, bonjour. Bonjour Pierre Lunel, bonjour Lucien Alexandre, bonjour Jean-Michel Dinan, bonjour Kéryen Justin et joyeux anniversaire. Merci Père. Et je dis à la presse là, on a parlé de finissement mandat 10 sénateurs qui étaient en fonction. Yo. Et ils étaient là, ils nous étaient qualifiés de tirer sénat. Pour de monde, c'est tout pareil au même que Martin là et nous lever avec et sénat sans son grain de sénateur. Bon, ce qui arrive, c'est la réalité. Et effectivement, je dis à nous lever sans grain de sénateur. Alors, il faut qu'on dise qu'il y a toute une histoire la question au Parlement, notamment fin de mandat au Parlement. Et l'élection a été faite, première élection Libye faite en 90, deuxième tour élection a été faite le 20 janvier. Et la Constitution a prévoit que deuxième lundi de janvier, c'est la rentrée parlementaire. Mais il n'y a pas jamais prévoit aucun côté que deuxième lundi de janvier, c'est fin mandat en législature Gabralé ou bien en groupe de sénateurs ou bien le Sénat en général. Non. En principe, il y a deux lois électorales. De 1987, loi électorale a commencé à voter. Ah, jusqu'à la dernière loi électorale. Là, c'est deux lois électorales qui prévoient fin mandat parlementaire à deuxième lundi de janvier. C'est la loi électorale de 1995. Pour qui ça? Parce que l'élection était faite 20 janvier et deuxième tour, élection faite 20 janvier, élection législative, après le premier tour, est faite 16 décembre. Le président réussit de passer dès le premier tour. Il y a les députés et les sénateurs passés dès le premier tour, mais il y a un sénateur et député qui a le deuxième tour le 20 janvier. Ça veut dire que deuxième lundi de janvier, il n'y a pas de cas respecté pour l'élection. Le parlementaire n'est pas entré en fonction, parce que c'est juste le 3 février que le bas au certificat, c'est puis bas au certificat pour y aller inscrit dans le Sénat avec la Chambre des députés. Et puis le 4 janvier, le 4 février, maintenant il y a le 3 février, le 4 février, il y a le fait validation des pouvoirs dans le Parlement. Et puis, ils ont tout prêté serment le 4 février. Et puis, le 7 février, ils ont fait séance pour recevoir investiture au président Jean-Baptiste Aristide. Ça veut dire que l'heure arrivée en janvier et 1995, sénateur avec député qui était élu pour 4 ans, et puis ils ont dit mandat au peu qu'on finit, parce qu'ils ont été en fonction le 4 février. Par conséquent, il y a le 4 février 1995 pour y aller. Eh bien, l'exécutif a été d'accord avec eux, parce que le mandat de député, c'est 4 ans, et le mandat de sénateur, quand deuxième position, c'était 4 ans. Et c'est comme ça, il y a attendu jusqu'à 3 février, et puis il y a allé, et puis, le tiers sénat qui est en fonction, il était jusqu'à ce que l'élection 1995 soit faite. L'élection 1995 après le fait, la loi électorale 1995 a été prévue.
étant donné que l'élection va être faite en retard, article 185 loi électorale a dit quelle que soit la date que élu 95 jours va prêter serment, notamment les sénateurs élus pour 4 ans, les députés, les maires, les casettes, mandat a fini 2e lundi janvier 1999. Depuis date ça, depuis le ça, que loi électorale a été prévoir ça, eh bien, on parle, ouais, deuxième lundi janvier 99, qui était 11 janvier 99, président Préval, pour dire constater la caducité du mandat du Parlement. Et que se dit, chambre des députés, mandat fini, a un message, il va l'adresser à 8h du soir, le 11 janvier, eh bien, président Préval va dire, mandat deuxième tiers Sénat fini. Mandat Chambre des députés a fini, mandat Kazek, mandat magistrat, tout fini. Et puis ça va arrêter comme mandat charnière, tout le monde va le penser, depuis le 2e lundi janvier, mandat député sénateur fini. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Mandat, une fois que l'élection est faite régulièrement et que 2e lundi janvier, parlementaire, c'est la rentrée parlementaire. Depuis l'élection faite en décembre ou en novembre, en janvier, dès le début de janvier, CEPA bat tout parlementaire certificat pour aller inscrit dans le secrétariat général, Sénat et Chambre des députés. Maintenant, où tout faire venir faire validation de pouvoir le 4 ou le 5 suivant date, 2e lundi de janvier après. Maintenant, le mandat député et sénateur, tout commencé. Et c'est comme ça, rentrée parlementaire, il va le faire 2e lundi de janvier. Si tu as un député et sénateur qui était là, il ne va même retourner en janvier. Si le mandat a été régulièrement fait, c'est-à-dire qu'il était à l'élection en octobre ou en novembre, et que décembre, élection finie, et puis il rentre en fonction dès le début du mois de janvier, c'est-à-dire député et sénateur qui est en fonction, pas même rentré et tourner dans le Parlement en janvier. Parce que le mandat a fini, le mandat c'est 4 ans. Le mandat a commencé et début de janvier, mandat fini depuis 31 décembre arrivé, mandat député et sénateur fini. Ou pas de mandat qui va finir 2e lundi de janvier, mais il y a deux lois électorales qui étaient tranchées sur 2e lundi de janvier qui fait l'hériter comme on date tout pour bon, c'est que mandat député et sénateur va finir 2e lundi de janvier. C'est loi électorale 95 ans avec loi électorale 2005. Étant donné qu'en 2005, l'élection n'a pas été faite régulièrement après le départ de la Russie en 2004, l'élection va être faite le 7 février 2006 et le 21 avril 2006. Ça fait que député et sénateur vont rentrer en fonction le 14 mai.